pendant ce temps, eh bien, El Jawari est revenu sur la pelouse. Il a reçu des soins et il est revenu prêter main forte à ses coéquipiers. Spano qui est pris par Rémi Sergio. Da Silva. Oh, Da Silva qui a lancé Dabas. Et finalement, c'est pas Dabas qui va partir. Eh bien, c'est Toflib qui va pouvoir frapper. Toflib. Oh, le retour. Et là, ce ballon directement perdu. Directement dans les pieds d'Annecy. Attention parce que c'est récupéré par Sergio. Attention Elisor qui a du champ. Elisor qui rentre dans la surface de réparation. Elisor le centre, deuxième poteau Da Silva. Et la voilà, la première grosse occasion. Et c'est la mi-temps, Dimitri. Ouais. Mi-temps sifflé sur ce score, 2-0 partout. Même si hein, Jimmy Niolo, on voit quand même, il manque hein, à ce milieu de terrain, justement, la première tombée de balle. Et là, c'est Adrien Dabas qui récupère ce ballon, justement, qui essaye de se projeter vers l'avant, de combattre. Et penalty. C'est penalty. Et penalty. On joue le tout début de cette seconde période. Elisor Escales. Elisor Escales. Elisor. Et c'est dedans. Eh oui Dimitri, c'est l'ouverture du score pour le FCVB avec l'homme en forme de cette équipe, Simon Elisor. Le pied gauche du Corse Jean-Jacques Rocky. C'est parti. Et c'est dedans. Et c'est Mendy qui vient marquer ce but, je crois. Eh oui, hein, quel but hein, des joueurs d'Annecy. Boué, hein, il me semble, qui a été devancé. Mais là, c'est bel et bien hein, Rémi Sergio qui va jouer ce coup franc et qui va chercher côté droit, justement, Simon Elisor. Simon Elisor hein, mis sous pression par deux solution. Joueurs d'Annecy. Il a zéro trois solution, joueurs d'Annecy. Même si là, maintenant, Rémi Sergio a fait l'effort de venir en soutien. Rémi Sergio, le centre, la tête. Et ça passe juste au-dessus. Et c'est Annecy hein, qui repart de l'avant. Hein. Ça peut, ce match peut tourner hein, d'un côté comme de l'autre lors de ces dernières minutes. Et là, on va essayer de provoquer hein, avec Fillon. Fillon qui essaye de lancer dans la surface. Et voilà. C'est loupé. Et c'est le but pour le joueur d'Annecy, Dimitri. Alexis, on le disait, Bozetti. Ça peut jouer d'un côté comme de l'autre. Et là, c'est Bozetti. Et c'est terminé, Laurent. Terminé sur ce score de 2-1 pour le FC Annecy.